Impérial même en réception. Et qui va chercher un certain nombre de ballons, notamment au soutien. Ce qui permet à ses ailières d'avoir une deuxième chance, troisième chance, même parfois une quatrième chance. Et Biemel, la MVP du premier match. Eh oui, c'est du travail de l'ombre, mais il faut le noter quand même. Et c'est elle qui fait cette passe de transition, par exemple. Ouais, bien défendue par Eva Yaneva. La puissance, ressort ce ballon et finalement il est pour Vandœuvre-Nancy ce point. Il y a eu un petit cafouillage provoqué par une bonne défense, on va revoir. Et là, on peut que toucher ce ballon une fois. Et vu la proximité des deux joueuses face au filet, c'était compliqué de la remettre dedans. Et là, il faut faire un petit stage sur les plages de la côte ouest française. Jouer un peu en 3-3. Oh, et pour ça, il n'y a pas besoin. Kotikova, bien franchi. Et l'énorme bloc. Monster bloc qui résonne dans la salle. En 1 contre 1, ou presque. Ouais, monster bloc. Monster bloc sur cette puissance de frappe. Va aller rester solide. Là, c'est le haut du bras gauche qui vient toucher cette balle pour atterrir dans l'air de jeu. Bonne manchette derrière, ça attaque. D'où elle sort cette attaque de Russu. Ouais, une petite surprise. Elle avait quasiment pas d'élan. Et avec son grand sourire et ses grands segments, elle vient fouetter ce ballon dans la tête directement de l'américaine. Bien sûr, elle s'est excusée tout de suite après. Et le Canet qui fait plus 2 là avec ce Tace. Et c'est Tace maison. Il suffisait que je parle de l'efficacité en réception de la libéro pour qu'elle se rate sur ce ballon. Ouais, Stagnolite qui fait déjouer les statistiques adverses. La revoici sur un petit service flottant. Amorti bien contrôlé par la défense du Canet qui avait tout lu. On revoit Russu dans une position fétiche. Belle passe, bravo l'américaine qui double sur sa pointue. Et l'attaque ligne bien coulissée. HPP, hauteur, puissance, précision, tout y était. Mais je la connaissais pas celle-là, HPP. C'est les grandes lettres. C'est l'école Alto Secanese de volley. Les Canetanes qui ne mènent plus que d'un point, 3-2 dans l'ouverture de cette troisième manche, ce troisième set. Est-ce que ça va rentrer? Oui, dans les limites du terrain. Ça va être... une attaque bien menée, Anna Kotikova qui s'est emmené ce ballon. La frappe lourde de la Russe sur ce bon contrôle. Encore un caviar de passe d'Ayong Lee qui la met sur orbite. 4-2. A-t-elle mordu? Que s'est-il passé? Faute de position du côté de Vandœuvre-Nancy. Oh, ça coûte cher à cet instant du match. Alors c'est je pense que la pointue est venue se placer trop vite. Le service n'était pas parti. Elle est obligée de partir au niveau du filet. Et elle a dû reculer trop vite pour prendre son élan pour attaquer. Ça se siffle peu en général. Sauf quand c'est vraiment flagrant. C'est ce qu'a estimé monsieur l'arbitre. On va revoir, faute au fil. Attaque dans la mire directement. Eh oui. Elles peuvent célébrer le Canet, elles sont dans un temps fort là. Un gros temps fort. Elles n'ont peut-être jamais autant dominé un début de set. Et attention pour le temps faible de Nancy. Et le temps mort comme souvent est pris. Okay, ladies, come. We play how? Put the ball there, come in the correct tempo on attack, and last moment decision. Go like fire, everyone. Okay, they make 1 point. I
no impact on the points they made. We organize ourselves for the next one. Stop with the mistakes and we will get back on the game with our best player. Ouais, l'entraîneur portugais qui demande à ses joueuses d'arrêter les fautes directes quand c'est pas possible de faire jouer et de compter sur son bloc défense. Parce que là, 6-2, l'addition commence à être lourde. Reçu au service. Ouais, gros service là. Bien flottant de la pointue russe. 7-2. Et les sourires sur les visages des joueuses du Canet. Et un peu plus de tension du côté de Vandœuvre-Nancy. Allez, Russu au service qui monte en puissance dans ce match. C'est très bien réceptionné par Biemel. Et l'attaque défendue d'Evans. Et Vaianeva pour rendre ce ballon. Et bien plus que le rendre, elle a mis en difficulté la défense de Vandœuvre. Et l'attaque énorme de Kotchourina sur cette basket arrière. Elle fait les bons choix en ce moment, Daeyong Lee. Et la spirale est du côté du Canet. Il va falloir couper cette série. Oui, la libéro qui est obligée de rendre ce ballon. Ouais, Kotikova à l'attaque et c'est défendu. Et c'est elle qui enchaîne l'américaine. Et énorme défense à nouveau de Kotikova qui doit enchaîner à son tour. Le bloc qui freine ce ballon, c'est rendu par Evans. Et basket arrière, Kotchourina. Sans problème pour la Russe une nouvelle fois. Qui continue de creuser l'écart. 9-2. Ouais, décidément. Hein. Cet avantage qui se creuse. Il y a le temps fort qui se confirme malgré les temps morts pris. Plus de gros écarts hein, de cette partie pendant un set. Et la balle qui tombe souvent au même endroit. Il va falloir aller couvrir cette zone. Ou par le bloc ou par la défense. Et c'est Evans qui est sorti par son entraîneur. En manque d'efficacité, la joueuse américaine. L'entrée en jeu de Christine Millen, estonienne de 28 ans. Et 9-3, elles vont profiter, hein, Vandœuvre-Nancy, de cette erreur au service pour tenter de revenir dans le match, Ulcer. Un gros service. Erreur de passe et ça va revenir dans le camp du Canet. Les sudistes à l'attaque, ce ballon toujours en vie et petit exploit de Vandœuvre-Nancy, ça partait mal cette affaire. Ouais, un pouce-pouce gagné par la passeuse qui doit rendre bien 10 ou 15 cm à la centrale de Vandœuvre-Nancy. Mais Bennett qui est toujours là et qui fait toujours du bien à ses coéquipières. Ouf, gros service. Ouais, c'est remis chez les adversaires. Et c'est raté. Deuxième chance, troisième chance, non. Et le contact de balle à l'attaque de Bennett complètement raté, ça l'a fait sourire. Et du coup ça devient impossible à défendre pour Eva Yaneva qui s'attendait à prendre une balle devant elle et se retrouver à la prendre dans la gorge. Et l'équipe du Canet qui menait largement se voit peut-être remonter au score. Plus que 4 points d'avance. Est-ce que Vandœuvre-Nancy peut faire le comeback? Bien emmené, cette lecture, elle était bonne et là on ne pouvait rien faire du côté des Panthères. Elle est très régulière Kotikova depuis le deuxième set. Et plus que régulière, elle est précieuse pour son équipe. Ouais, Torres là ne pouvait pas faire grand chose hein, sur le geste défensif. Elle a fait de son mieux.
au service. Le Canet, deuxième. Point donné, offert sur un plateau d'argent. Avant d'œuvre Nancy sur du service directement dans le filet. Deux points donnés gratuits dans le set si important. Waouh, voilà, ça c'est le duo magique. C'est une séquence qu'on a vue déjà au moins deux fois précédemment. Le duo lié à la passe et Kocurina à la finition. Et c'est son 9e point à Kocurina à l'attaque pour une centrale, c'est énorme. Et c'est elle qui enchaîne au service. Très gros service, mais c'est bien tenu par Mylène. Pas loin de l'ace, mais derrière elle se rate hein, sur ce geste là pour se rapprocher du centre. Un peu moins d'énergie là du côté de Runnels à l'attaque. On la sent un peu plus en dedans. On la sent presque énervée d'avoir vu sa compatriote sortie du terrain. Et pour cause, la revoici. Evans qui rentre. C'était simplement pour le passage arrière que l'Estonienne était rentrée. Elle a peut-être piqué au vif. Ça a touché ou pas? Point pour Vandeuvre Nancy qui se remet dans le match, qui se met en mode mission. Ouais, celle-là aurait mérité d'être challengée. Ah non. Elle écarte les bras sur le bloc. Lié par-dessus la tête. Et ce point, il est encore pour Vandeuvre Nancy. Ça revient fort. Alors j'ai une petite crainte, j'ai cru voir Eva Yaneva se tenir un petit peu la cuisse. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ouais. Le temps mort est pris. Non, elle n'a pas l'air de demander des soins pendant le temps mort. To play with Ruta, okay? Or you can call on 7 and we can be tied. First of all, reception. Haide, one side out and we continue. Haide, push. Bolero. Bolero! 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 Et le public qui veut participer à la fête. Bien emmené par le speaker. 11-9. Allons-nous assister de nouveau à un set très serré? Même si là, le service est manqué, les points iront pour le Canet. Ouais, fuyant ce ballon. Ouais, la Sud-Coréenne au service. Et Bennett. Et cette fois c'est contré. Et personne pour contrer Evans à cette hauteur. C'est génial, les coachs toujours passionnés comme ça. Qui imitent les gestes à la place des joueuses. Regardez sur la gauche de l'écran. Hop là. Il a voulu jouer aussi ce ballon. On se souvient hein, du geste légendaire de Monsieur Tilly lors des derniers Jeux Olympiques. Il s'était livré, il s'était jeté. Et ce ballon, il va être bon. Il va être pris pour le Canet sur le block-out. Russu au point. Ouais, bien joué la pointue qui retarde bien. Et là, au bloc, ça doit être plus solide que ça sur ce type d'attaque. Concentration maximale. Ça combine du côté des Américaines. Deuxième bloc réussi pour le Canet qui peut construire avec cette diagonale. Retrouver l'artiste là pour trouver cette ligne. Voilà 4 points d'avance pour le Canet. Elle a monté son niveau de jeu, Russu, après un premier set très discret. On la retrouve, la russe, tout comme sa coéquipière Kotikova. Puissance, et il s'est passé quelque chose au filet. Le point sera bon. Ouais, faute de filet.
de la part de, du Canet. C'est pas flagrant. Non. S'il y a faute au fil là-dessus, mais j'aurais bien aimé revoir le ralenti. Ils ont pas l'air de râler. Belle défense. Excellente défense. Oh, le deuxième chance. Énorme. Dommage, le soutien énorme de Lucie de Keukeler. Et Vandeuvre Nancy qui petit à petit, mine de rien, revient dans la partie alors qu'elle s'était largement distancée tout à l'heure. Oui, qu'elles ne sont pas particulièrement sur un temps fort en plus. C'est Ouais, c'est un peu un miracle. Hein. Est-ce qu'elles peuvent continuer de revenir petit à petit? Ouh, l'énorme attaque au compteur, ouais. Kotikova qui a tout emmené là. Oui, elle a tout emmené, c'est ça. Elle a sonné Bennett, sonné Oman. Ouais. Ah, ouais, double, c'est un strike. Ça s'appelle un strike dans le milieu. Double bougie. Allez, la relance d'Eva Yaneva. Bien sûr, Kotchourina qui enchaîne en fixation. Ah, je sais pas si elles peuvent le rater ce geste, hein, parce que on dirait qu'elles se connectent, qu'elles sont jumelles sur le terrain. Regardez, elle sait exactement où elle doit lui mettre. Boum! Et à mon avis, on va pas tarder à. Voyons voir. Est-ce que les trajectoires sont bonnes? Oui. Tout de suite, la précision. Chercher les mains. Block out. Trouver Vandeuvre Nancy qui a peut-être retrouvé un petit peu de sérénité. Ouais, Kathleen Evans qui prend le haut des mains. Et c'est elle qui enchaîne au service, très tendu le service, mais c'est oula, débrouillé par Lee. Waouh, quelle puissance. Là, on pourra plus retrouver le ballon sur les limites du terrain. C'est magnifique. Cette fixation béton. Le beau geste en défense de Eva Yaneva, mais qui permet pas d'amortir la puissance de ce ballon, de cette attaque de Bennett. Actuellement meilleure marqueuse hein, du match. Logiquement. Bien joué. La finition parfaite d'Anna Kotikova. Elle reste maître de leur destin, le Canet. Hein. Toujours devant. On le rappelle, elle joue leur survie. Elles qui sont menées dans la série. 2-1, elles veulent égaliser et arracher un match 5. Olaïs dans l'intervalle entre Evans et la libéro Oriane Biemel. Ah, il y avait moyen de mieux faire hein. Défensivement, là elles se sont un peu marché dessus. Et c'est ce qu'on appelle la zone de divorce. Cette fois, c'est sur Evans. C'est tenu difficilement. Bennett à l'attaque, défendu. Le bloc out, il était cherché. Et ça va être validé, crédité pour Vandeuvre Nancy. Ce point. C'est le 12e point pour Bennett dans ce match. Et c'est le premier point qu'elle fait autrement qu'à l'attaque. Elle était à 11 points, 11 attaques. Pour l'instant, la meilleure marqueuse du match. Oh, l'amorti, excellente. Excellente amorti. C'est suivi de près. Qui est la meilleure marqueuse du match? C'est Bennett. C'est Bennett, hein, ouais. Avec 12 points. Mais Kotchourina n'est pas loin. Oh, on voit ce superbe geste là pour contourner le bloc adverse. 19-15. Et ce point va être accordé avant de Vandeuvre-Nancy. Bout de ligne. La balle qui s'échoue dans le carré. Le carré. Le carré. Ouais, superbe. Très beau temps en fixation entre les deux américaines. Le smash bien en rythme. Et là, ce rythme, il était complètement cassé défensivement. 19-17. Le Canet qui se met en danger avec le retour dans le rétro
de Vendôme-Renancy sur ouais, une situation largement négociable. Pour Lucie de Kekeler. La voici, très... cette fois il était bon. Très tendu le service. Et Bayanella qui se permet même de jeter un regard noir à ses adversaires pour montrer qu'elle est là. Ah, le voilà, il y a même un bisou en passant. Hein. La provoque. Ouais, ça fait partie hein, des playoffs. C'est le moment où on se regarde les yeux dans les yeux face à l'adversaire. C'est pas le moment de craquer. On en parlait juste avant, l'entrée en jeu de Maëva Schalk au service. Très gros service. C'est un service gagnant puisqu'il revient. Et mal géré. Oh, c'est culotté ça de la part de Torres, la passeuse. Ah, c'est dommage, c'était un très gros service là de Maëva Schalk. Ouais. Personne ne s'y attendait à cette deuxième main à ce moment-là. Ouais, les deux mains. Mal réceptionné, la réception était mauvaise et ça paye pour Vendôme-Renancy qui se remet encore dans le sens de la marche. Décidément avec cette Torres insatiable. Et est-ce qu'elle va à son tour faire un petit bisou à point fermé. Temps mort demandé par l'entraîneur du Canet. Et l'entrée en jeu de Popova. Qui va prendre ce deuxième set? Suspense toujours entier. Après un excellent... ce troisième set, pardon. Effectivement. Un partout pour l'instant. Ça s'arrache. Ça l'arbitre. S'arrache. Ça tient bon. Ça va revenir avec la construction de Torres. La bonne passe, ça joue en première intention après une seule passe. Torres encore. Et encore l'énorme smash. Ça tient, ça tient. Et cette fois, ça va être point. Ce ballon a touché le sol. Et c'est Kotikova qui conclut. Ouais, avec l'aide un petit peu du filet qui a déstabilisé la défense adverse. Regardez le changement très léger de trajectoire qui vient tout changer. On a vu des monstres de défense là sur cet échange des deux côtés. Le coup du lacet réalisé par Evans. Elles sont à 4 points. D'un deuxième set potentiel, le Canet. Vendôme-Renancy n'a pas dit son dernier mot. Allez, au service. Le Canet. Bien contrôlé, Torres. L'échange de passe, ça arrivait derrière elle. Il est trop long ce ballon. Il est trop long, ça tombe pour le Canet. Attaque dehors de la part de Bennett. Elle en fait pas beaucoup des fautes directes. Mais celle-là, elle tombe mal. Ouais, c'était la meilleure marqueuse hein, pour l'instant du match. Et toute la joie contrôlée, contenue de Danilo Pejovic qui serre les deux points. Challenge demandé. Certainement pour voir si la balle n'est pas touchée par la contreuse. Ah non, balle out ou bonne. Nettement bon. Out. Il n'y croyait pas non plus, c'était pour le temps mort. C'est le jeu, ce sont les règles. Et on peut saluer hein, le travail des arbitres de cette Ligue AF. Ça, c'est encore dans les profondeurs du terrain.
Malheureusement pour Kathleen Evans, cette situation est bien manquée. Ouais, c'est envolé là l'américaine. Oh là là, la hauteur. Et la ligne rentrante qui passe pas. Ouais, alors que personne ne touche ce ballon. Il va demander. Challenge demandé. Challenge demandé, son deuxième. Et ça siffle forcément dans les travées de la salle. Celle-là, ouais. Celle-là est moins évidente que la précédente. La balle est. Ah, oh, c'est largement. Elle est touchée. Elle est touchée. Oh, c'est touché, c'est effleuré. Touché, cette balle. Bien vu, bien vu. Ouais, comme quoi. Hein. On n'est jamais mieux servi que par un ralenti. Torres beaucoup mieux dans cette partie là depuis ce set, beaucoup plus créatrice. Oh, c'est largement manqué, c'est largement manqué cette réception. Ah, elle s'en veut la réceptionneuse parce que le service n'était pas très difficile. Ouais, ce troisième set. Retour d'Eva Yaneva sur le terrain en lieu et place de Dalina Popova pour soigner la réception. 22-21, moment encore charnière de cette partie. La réception était moyenne. Il va falloir aller se livrer du côté des deux équipes en défense. Et ça va finir hors des limites du terrain. Les changements payants de Danilo Pejovic qui a également remplacé sa libéro. Il a fait entrer Isabella Stimac sur Lucie de Kekeler en difficulté sur le service précédent. Ouais, la numéro 1, Stimac, bien placée et qui va devoir contrôler les tâches défensives de son équipe une nouvelle fois. Mais là, la tâche défensive était impossible à gérer. Vandeuvre-Nancy toujours dans le coup. Grâce à leur scoreuse. Revoilà Evans dans une position préférentielle. Et là, elle a trouvé la main et elle y est allée de bon cœur. Et la balle rendue par Usu. Ça, c'est une bonne situation à négocier pour Evans. Elle a mis vraiment de l'énergie. Oh, l'énorme défense là de Evans sur Kotikova. Kotikova contre là, Evans qui va l'emporter. C'est renvoyé par Lee. Ça revient. Et de l'autre côté, la défense est bien jetée. Kotikova et les siennes peuvent savourer un point très important parce qu'il offre un deuxième set potentiel au Canet. Balle de set. La balle qui manque légèrement de hauteur. Bennett qui s'engouffre dedans quand même. Et le très beau, très joli bloc de Kotikova. L'orientation des mains est parfaite. Balle de 7 sur service. Plutôt bien contrôlé par la défense. Et ça va rentrer pour Vandeuvre-Nancy. Mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de pipe. Runels impeccable. Pourtant, elles avaient bien suivi les contreuses Canetan. Kotchurina est reçue. Oh, il est important ce moment. Très important. Est-ce que le Canet peut scorer là-dessus ou alors Vandeuvre qui va égaliser? Ouais, coach, on a évidemment cherché la spéciale. C'était la spéciale pour aller chercher le set. Et finalement, ça va être une autre forme qui va aller chercher le 25e point. Le Canet mentalement a tenu malgré une alarme incendie, malgré une équipe de Vandeuvre-Nancy joueuse. On s'en souvient, le Canet avait largement mené peut-être de 6 ou 7 points le début de set. Et finalement, ça va se remporter cette affaire 25-23. Que des 7 séries hein. Au final. Et Kotikova toujours décisive